Donc, soyez les bienvenus. Welcome, everyone. Merci de votre participation à ce deuxième événement du printemps 2021. Il s'agit de notre deuxième lancement des travaux accomplis par les membres de la Société d'histoire du canton Orford depuis l'été dernier. My name is Jane Jensen. I'm on the executive of the SOCO. I'm here today, as you heard, with Denis Tremblay and Suzanne Legault. This ambitious project that we're going to hear about became possible when the Société d'Histoire received financing from the Quebec Anglophone Heritage Network as part of its belonging and identity project. Ce projet, du réseau pan-québécois, est financé par le secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise. Si les recherches et la rédaction et traduction sont toutes faites en bénévolat, le financement était important pour la qualité exceptionnelle de la présentation technique. Donc, we thank the Quebec Anglophone Heritage Network for its confidence in our new history society. Aujourd'hui, on va avoir une présentation de ce tour virtuel qui s'appelle Découverte, Histoire et Patrimoine Orford. Before I pass the microphone to Denis Tremblay, who will provide an overview of the map and describe one of the points in more detail, I want to thank all the members of the History Society who have made such important contributions to this ambitious project. Plusieurs sont avec nous aujourd'hui. Donc, pour la recherche et rédaction, c'était Denis Tremblay, George Ross, Suzanne Legault, Bernard Clément et moi-même. Pour la révision, c'était le même groupe, plus Gilles Lauzon. Pour la traduction, c'était Marc Biguet, Denis Tremblay et moi-même. After Denis speaks, I'll return to present another point at the northern part of the township. En ce qui concerne les questions, évidemment, vous pouvez poser des questions par rapport à d'autres points que les deux sont décrits, si vous avez un intérêt particulier. However, before we do get to that question period, we're going to have a surprise. Nous espérons que cela serait la prochaine étape pour notre petite découverte. Donc, je passe la parole à Denis Tremblay. Denis, ouvre ton micro. Oui, merci Jane. Bonjour tout le monde. Une chose que Jane n'a pas dite dans son introduction, c'est à propos de l'initiation, l'idée toute première de cette carte interactive. Ça s'est passé au printemps dernier. Jane, on venait de mettre en ligne notre nouveau site Internet et Jane m'a demandé si j'étais capable de produire une carte interactive avec des points d'intérêt. Et j'ai eu le malheur de dire oui. Mais nous sommes bien contents de ce travail dont nous sommes vraiment très fiers. Alors, je vais vous partager mon écran. On va voir l'objet en question. Voilà, vous voyez bien? Oui. OK. Alors, voici. Alors, pour les gens qui connaissent notre site ou ceux qui ne le connaissent pas, sur chaque page du site, il y a ce bandeau en haut et notre nouvelle application se trouve à ce point, découverte tour virtuelle. Je vais faire un rafraîchissement pour voir la carte au complet. Alors, voici la carte en question. C'est une application que vous pouvez voir sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou sur une tablette. Ça fonctionne dans tous les cas. Il y a deux modes de navigation principalement dans cette application. C'est soit par la carte directement ou en bas, on a un menu texte qui reprend tous les points avec un bouton « Voir » pour accéder directement au point en question.
Pour ce qui a été de choisir les points, ben, nos critères ont été assez simples. Ça a été d'abord de la volonté de couvrir tout le territoire. Il y avait bien sûr des incontournables qu'on ne pouvait pas éviter, comme la petite Maison Blanche, le cimetière de Sierra River, le Mont Orford, Orford Music. Il y avait d'autres points qui étaient surtout guidés par des intérêts personnels ou des chercheurs. Alors, les clubs de pêche au lac Beauport, le 13e rang, les petites sœurs du lac à la truite. C'est un système qui est ouvert, c'est-à-dire que nous pourrons, en fonction de nos disponibilités et des disponibilités des futurs membres, nous pourrons continuer d'ajouter des points. Alors, je fais avec vous un survol rapide de l'ensemble des points qu'on a sur la carte. Alors, d'abord, dans le coin, dans le nord, près du lac Beauport, on a le tourisme à Harford après les années 1945. Un peu plus bas, on a les clubs de pêche au lac Beauport. Bonnally Mills, un hameau aujourd'hui disparu. Jane vous le présentera plus en détail un peu plus tard. Et toujours dans le nord, on a le camp de Jouvence. Je redescends vers le sud en passant par les petites sœurs du lac à la truite. Sur le chemin Alfred des Rochers, je vous montre juste ce point. Alors, quand on clique sur le point, on a un petit bandeau qui s'ouvre à gauche avec le titre du point et le lien vers l'affiche. Alors, si on clique sur le lien vers l'affiche, on a l'affiche en question avec des textes qui sont en moyenne, je dirais, 2 minutes à 3, 4 minutes à lire. Un texte en français avec la traduction en anglais. Et une série de photos qui sont cliquables et on va voir plus loin des photos pour des points particuliers. Alors, toujours sur la carte, si je m'en vais vers le Mont Orford, ben, on a trois vestiges d'habitation dans le parc. Vous les connaissez peut-être déjà, mais nous, on a réussi à faire une recherche sur ces trois points, sur ces trois vestiges en question. Le Mont Orford lui-même. Le Orford Music, ici, la grande musique se met au vert. Le Cheribourg, l'hôtel Cheribourg, qui a célébré ses 50 ans en 2020. Excusez-moi, est-ce Oui. que vous pourriez grossir la carte, s'il vous plaît? Moi, elle est au maximum de mon écran. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Alors, le Cheribourg et bien sûr la petite Maison Blanche, la maison Bert Basel, le cimetière, un autre incontournable, le cimetière de Cherry River, les sablières, les collines fantômes de Cherry River. Et on termine, il y a aussi le lac Écluse, un lac artificiel près du manoir des Sables qui a été créé à la fin des années 60. Et on va s'arrêter plus longuement sur le chemin de Myron Buzzell, qui est aujourd'hui le chemin Bice. Alors, je vais sur la fiche en question, le texte, et on va présenter le point à partir des photographies. Alors, voilà, c'est une photographie prise l'été dernier. Ceux qui connaissent le chemin Bice, c'est un petit tronçon de 2 km entre le chemin du parc, la route 141, tout en bas, et derrière le photographe, ben, le 13e rang en arrière. Quand on descend le chemin Bice vers la montagne, tout le monde qui a passé par là n'a pas pu manquer de voir la magnifique vue sur le mont Orford. C'est un tronçon de route qui est très bien connu des cyclistes aguerris, surtout ceux qui décident de le monter, parce que la dénivellation est assez importante. Remarquez les arbres sur cette photo. On se retrouve au même endroit, mais il y a 70-80 ans plus tôt, dans ce paysage champêtre, un paysage principalement agricole. On voit que les arbres avaient été, le territoire avait été défriché. Il y a beaucoup. Cette photo-là n'est pas datée, mais
C'est sûrement avant 1950, probablement les années 30 ou 40, quand on voit l'état de la chaussée, on voit qu'il n'y a pas de poteau électrique. Tout au fond, ici, ce qu'on voit, c'est la route 141 d'aujourd'hui, qui s'est appelée plus tard la route rurale numéro 2, mais qui, à l'époque, là, au début du 20e siècle, vers les années 1900, les gens l'appelaient le chemin vers Magog en passant par chez Richardson. Richardson avait une ferme un peu plus loin, en dehors de l'image, à l'emplacement d'où est l'Estrimont aujourd'hui. On voit sur l'image que les lots le long du chemin sont déjà occupés par des fermiers. Alors, pour prendre de l'expansion, les gens ont dû s'installer en deuxième rangée, c'est-à-dire en arrière des lots occupés le long du chemin. Les premiers qui sont arrivés, ça a été le ménage de Myron Buzzell et Olive A. Powers, qui ont installé leur maison à cet endroit. Et pour y accéder, ils ont dû ouvrir un chemin pour se rendre chez eux. Et c'est devenu le nom qui a été alloué à ce chemin, ça a été le chemin de Myron Buzzell, Myron Buzzell's Road. La maison est toujours là. C'est la petite maison verte au 163 chemin Bice. Peu de temps après, leur fille Annie Buzzell et son époux Lewis Catchpa qui se sont installés presque en face, un peu de biais, au 178 chemin Bice. Et par la suite, la maison est toujours là aussi. Et par la suite, ça a été des neveux de Myron Buzzell et d'Olive Powers qui se sont installés en arrière, ici, et au nord, jusqu'au chemin du 13e rang. Alors, c'est ce qui a fait que probablement le chemin a été prolongé jusqu'au 13e rang. Et ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le chemin courte manche qui a été ouvert pour se rendre chez Charles Buzzell, derrière chez Myron. En 1894, on sait que le chemin est devenu public parce que ça devient la limite dans les actes notariés, ça devient la limite des lots de chaque côté de la rue. Donc, ça veut dire que le chemin est devenu public. On voit sur l'image, en 1894, au point le plus bas du chemin, là où est actuellement le petit pont qui traverse la branche de l'est de la rivière aux Cerises, et Gardner Buzzell, cousin, je crois, de Myron, non, un neveu de Myron, a ouvert un moulin assis en 1894. Et en face, on a la maison où ont habité Laura Young et Gilbert Bice. Gilbert Bice, c'est le nom de la route d'aujourd'hui. Et la maison est toujours debout au 67 chemin Bice. Alors voilà tout ce que cette photo peut nous apprendre. On a ici une photo de famille, probablement par un beau dimanche après-midi. Sur cette photo, on reconnaît Myron Buzzell qui est ici, son épouse Olive A. Powers qui est ici. Ici, on a Annie Buzzell qui est voisine d'en face avec son époux Lewis Catchpa. Regardez bien, les autres personnes sont des enfants de Myron Buzzell qu'il a eu avec une première épouse, Anna Hopps, qui est décédée. Regardez bien ces deux personnes, on les retrouve quelques années plus tard avec des enfants plus grands. Alors, Lewis Catchpa et Annie Buzzell avec leurs enfants. Je vous ai parlé tout à l'heure du moulin de Gardner Buzzell. Alors, voici une photo du moulin assis qui a été un moulin hydraulique alimenté par l'eau, mais plus tard, il y aura des chaudières à vapeur qui seront installées. Après plusieurs ventes successives et la fin de l'industrie du bois, le moulin a été démoli en 1922.
Il est exactement, pour ceux qui connaissent l'endroit, là, juste à côté du petit pont, au sud du petit pont sur le chemin Bryce. Et voici Laura Young et George Bice dans leur, j'ai dit Gilbert, tantôt c'est George, dans leur jeune âge. Alors, ces deux personnes, c'est-à-dire que Laura Bice va acheter la maison qu'on a vue tout à l'heure seulement en 1932. C'est probablement à partir de ce moment-là que les gens ont dû parler du chemin Bice, parce, puisque la maison était plus proche que celle de Myron Buzzell par rapport au village. Aujourd'hui encore, sa fille est toujours propriétaire de la maison. Selon la Commission de toponymie du Québec, l'appellation officielle du chemin Bice date du 29 mai 1980, mais j'ai l'impression que les gens l'appelaient de cette façon avant. On a peu de détails, là. On n'a pas fait l'histoire de Mme Bice, mais on sait qu'elle est née à Fitchbay, qu'elle a vécu à Magog. Quant à George Bice, c'était un fils d'une fille Baird, les mêmes Baird qu'on a connues par l'histoire de la petite maison blanche. Donc, c'est une famille qui était déjà dans le coin. Alors, leur histoire reste à faire pour des gens qui seraient intéressés à en savoir plus. Vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous. Alors, voilà, je ferme les images. Je retourne à la carte. Et je vais passer la parole à Jane qui va nous présenter le point sur Bonaly Mills. J'y arrive. Alors, on se situe ici, près du lac Beauper. C'est ici. Alors, à toi, Jane. Donc, merci, Denis. C'est vraiment un plaisir pour moi de présenter ce point parce que l'histoire de ce lieu, qui s'appelait dans le temps et pendant des décennies Bonaly Mills, me passionne. Il me passionne parce qu'il fait partie de l'histoire de la colonisation depuis le tout début du canton Orford. Bonaly Mills was one of the very first places of settlement in Orford Township after the parts right next to Sherbrooke Town. It was one of the first places that settlers moved into. Déjà à la fin des années 1840, plusieurs familles y étaient établies. Le recenseur pour le recensement de 1911, donc 70 ans plus tard, a enregistré 21 familles et 155 personnes à ce lieu qui s'appelait Bonaly Mills. Pendant des décennies, on a lu dans les journaux des meetings politiques qui ont eu lieu à Bonaly Mills. On a eu les résultats électoraux pour chaque élection parce qu'un bureau de vote y était tenu. Donc, parce que le village n'existe plus, il faut prendre le temps de le positionner sur la carte qui est la carte de Putnam and Gray de 1863. Le village est indiqué tout à gauche sur la carte, entre le lac Fraser et la frontière avec le canton de Stukely. Le village est sur le chemin construit en 1835 par la Balco, la compagnie des terres, pour lier Sherbrooke, la ville en expansion, pour lier Sherbrooke à Mortagne. Long Lake, que vous voyez sur la carte, est appelé aujourd'hui Lac Beauker. Les deux noms, Lac Beauker et Long Lake, ou Beauker Lake et Long Lake, étaient utilisés pendant toute cette histoire jusqu'aux années 1960. Et la décision a été prise de l'appeler officiellement le Lac Beauker. Un autre point à noter,
Et ça, la carte est peut-être un peu plus petite, mais vous pouvez regarder à tête reposée sur le site. Le point à noter est que les colons s'installaient sur le chemin que vous voyez là, mais aussi ils suivaient le cordon entre les rangs E et F. Et ce que c'est plus ou moins, le chemin Simenon de nos jours. Donc, qui était là dans les années 1840? Évidemment, il y avait George Bonaly, qui était un marchand et un agent de la Compagnie des Terres. Il vivait là avec Julia Kearney et leurs cinq enfants. George Bonaly a construit un moulin à farine en 1848. Mais même avant ce moulin, il y avait un autre parce que Stephen Cushing Boker et Maria Brown se sont installés dans le coin. Stephen Cushing Boker a fait le premier achat enregistré dans ce lieu en 1846. Et il avait fait pour installer un moulin de sciage. Donc, voici la raison pour le nom du hameau. Avec ces deux moulins, ça s'appelait Mills. Also, in the area was the widow Margaret Conlon, who lived next to Bonaly with her two young sons. And the Rayside family was just across the road next to the lake. But there was also Léandre Rivard, dit Dufresne, et Marie des Anges Montpas, avec leurs enfants, y compris plusieurs fils adultes qui se sont installés comme cultivateurs sur ce chemin-là. Les parents ont fait un achat de la Balco en 1851, mais ils étaient là plusieurs années avant cette date-là. Il y avait aussi Joseph Benoit et Charlotte Daigle et leurs enfants. Il y avait les Gagnons, deux jeunes hommes, Maxime et Cyril, les Living et j'en passe. Avec toutes ces familles et enfants, il fallait une école. Déjà en 1853, donc c'était tôt, 1853, la commission scolaire achetait un terrain et un bâtiment qui était déjà là. L'école, comme vous pouvez remarquer dans cette photo, l'école était dans un champ. Mais, fait important, il était sur le chemin dit chemin de Sherbrooke. Donc, une école de rang était à Bonaly Mills pendant 100 ans, plus que 100 ans, jusqu'à sa fermeture dans les années 1950, quand le transport routier a permis le transport en autocar scolaire des enfants du Bonaly Mills. Les enseignantes dans ces écoles de rang étaient les jeunes femmes, habituellement de village, qui enseignaient jusqu'à leur mariage. La maîtresse ici est Simone Boutillette, qui habitait juste à l'est de Bonaly Mills après son mariage à Silvio Archambault. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'économie québécoise était en forte mutation. Et une de ces mutations très importantes était l'arrivée de l'industrie laitière. Cette mutation, en effet, a commencé au canton de l'Est et canton d'Orford a y participé. L'industrie laitière débutait avec comme produit principal, pas exclusif, mais principal, le fromage pour l'exportation aux États-Unis et même au Royaume-Uni. Bonaly Mills avait sa fromagerie. Vous pourriez voir cette fromagerie bien positionnée à l'intersection de l'ancienne route et le cordon, plus ou moins, durant.
Sur cette carte, nous voyons en turquoise l'ancien chemin. Et nous voyons la ligne blanche qui indique la route 220 de nos jours. La route a été repositionnée en 1973. Cette fromagerie appartenait pendant des années à la famille de Malvina Goyette et de Jean-Baptiste Cadu, qui était là aussi dans une photo de dimanche devant leur fromagerie. Le deuxième grand changement était l'arrivée du chemin de fer à Bon Secours et le transport routier beaucoup amélioré. Ces changements ont permis l'élargissement à un niveau plus industriel du moulin de sillage. C'était un élargissement fait par Ormidas Boisé, qui était un entrepreneur local. Nous apercevons ce grand terrain de moulin dans cette photo à partir de la route 220 à l'entrée de Jouvence. Donc, vous pourriez y aller demain et vous allez voir, vous allez avoir cette vue, mais évidemment, le moulin n'est plus là. C'est couvert d'arbres. En effet, la visibilité du hameau de Bonally Mills est liée à l'intégration de Jouvence et de toute cette partie de la municipalité dans le parc national dans les années 1970. Avec cette intégration, l'utilisation des lieux a beaucoup changé. La route était modifiée, comme je viens de vous dire dans la photo précédente. Et maintenant, presque la seule chose qui reste de cette histoire, une histoire de colonisation, une histoire d'habitation, une histoire d'occupation pendant des décennies, presque la seule chose qui reste est le barrage à Jouvence, un barrage qu'on peut visiter, c'est juste en face de la petite auberge. Je passe maintenant la parole à Denis pour notre grande surprise. Mais avant de le faire, je vous rappelle, pour la période des questions, si vous voulez poser une question, et on espère fortement que vous allez poser des questions, vous pourrez les faire avec l'outil de Zoom, lever la main, parce que c'est difficile pour Suzanne de voir si vous faites un signal comme ça. C'est mieux que vous utilisez l'outil qui se trouve en bas dans Zoom. Et merci beaucoup. Denis, c'est à toi. Oui, merci Jane. Alors, on finit avec la surprise que Jane vous a annoncée. En fait, on vous montre une démonstration de ce que ça pourrait devenir si éventuellement nous réussissons à obtenir un peu plus de financement. Quelque chose de plus sérieux, c'est de tenter de produire pour chaque point qu'on va créer des balados avec du vidéo et du son à partir des images qu'on a. Alors, je vous présente tout de suite notre démonstrateur, si vous voulez. Je vais partager l'écran. Ça dure 4 minutes, ce n'est pas très long. Les sablières. Les collines fantômes de Cherry River. De plus en plus rares sont les personnes qui peuvent aujourd'hui se souvenir du paysage entourant le village de Cherry River avant les années 1960 et des grands bouleversements qui l'ont transformé au cours de cette décennie. Au cœur même du village, on a modifié le tracé de la route 141 en faisant disparaître une colline. Dès 1960, de grands chantiers ont été lancés au Québec. Près d'Orford, il y eut entre autres
la construction de l'autoroute des Cantons de l'Est pour laquelle il fallait du sable et du gravier en grande quantité. Ces ressources étaient disponibles tout près. D'abord, au nord-est de l'intersection de la route 141 et du chemin Alfred Desrochers, là où se trouve maintenant le manoir des Sables et son golf. Puis, plus au sud, de part et d'autre du chemin Courtemanche jusqu'à la ligne de division entre Orford et Magog. La morphologie du paysage d'avant 1960 remonte à il y a plus de 11 000 ans, soit durant la période de fonte et de retrait des grands glaciers qui recouvraient notre continent. Un front de glaciers s'est arrêté entre Cherry River et Magog. Pendant son retrait, il a laissé derrière lui un immense lac alimenté par les courants d'eau de fonte du glacier, un lac dit pro-glaciaire. Durant cette période, ce plan d'eau qui deviendra le lac Memphrey-Magog s'étendait vers le nord jusqu'à Cherry River. Des deltas se sont créés à l'embouchure des rivières glaciaires, formant de grands dépôts de sable et de gravier. Jusqu'aux années 1960, ce paysage plusieurs fois millénaire, composé de buttes de sable recouvertes de terres arables, a encadré le village de Cherry River. Il y a bien eu quelques petites exploitations de sable et de gravier avant 1960, mais rien de comparable avec ce qui s'est produit après. L'exploitation de sablières s'est continuée jusque dans les années 1990. Aujourd'hui, une seule reste toujours en opération sur le chemin Courtemanche. Les membres de la famille Courtemanche de Magog et plus tard des excavations Courtemanche incorporées ont été des acteurs prédominants dans cette transformation du paysage autour de Cherry River.